Salut à tous et à toutes les amis, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur TT Hills of Man sur PC afin de se refaire quelques vidéos. Ça fait fort longtemps que j'ai pas ressorti ce jeu du placard, mais je me suis dit pourquoi pas reprendre un petit peu l'aguerrissement hein, sur ce jeu, tout simplement en raison que le TT Hills of Man 2 de Kilotone Racing Game sort le 19 mars, donc il y a le 2 qui sort très prochainement. N'hésitez pas d'ailleurs, un petit coup de pub, à le retrouver les amis sur Instant Gaming, vous pouvez le retrouver pour 25,89€, donc c'est toujours mieux que le payer 60€, jeu moins cher, donc n'hésitez pas, c'est dans la description si vous êtes intéressé. En tout cas le jeu lui sort le 19 mars, c'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu rapidement en mode free, hein, tranquillou, la maniabilité, histoire de bien faire la comparaison avec le 2 qui sortira très prochainement et que j'aurai l'honneur de vous présenter. Voilà, allez c'est parti, donc pour la reprise, on va se faire un petit mode libre, hein, tout simplement. Je vais vous remontrer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent à partir d'aujourd'hui ce jeu. Hein, donc jeu de moto simulation arcade développé par KT Kiloton Racing Game. En tout cas un jeu français, hein, pour des développeurs français, en tout cas ça fait gravement plaisir de retrouver un jeu comme celui-ci. Donc c'est sûr, sur ce jeu il y avait des points qui étaient bien et d'autres qui étaient moins bien. On va essayer d'en parler au fur et à mesure qu'on évolue sur... notre ride. Allez, c'est parti. En mode solo, on va se mettre un contre-la-montre. Donc, je vous montre rapidement les circuits, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a comme circuit. Donc, bien évidemment, on retrouve un des circuits officiels. Donc, je vous laisse voir un petit peu tous les circuits. Voilà, donc vous avez un mode carrière, un petit mode carrière qui vous permet d'évoluer et tout. Donc bien sympathique. Après c'est assez simplifié. C'est vrai que le TT Hills of Man 1 se présente assez simpliste. Moi je trouve qu'il est bien. J'aime bien ce jeu même si je joue quand même peu. Parce qu'après c'est vrai qu'il n'est pas évident de prise en main et tout. D'ailleurs chose que dans le 2 apparemment ils ont extrêmement travaillé de façon à faire en sorte que le pilotage soit beaucoup plus agréable et immersif que le 1. Voilà. Allez, nous on va partir directement sur Smaefell Mountain Course, hein, donc le circuit officiel de l'île de Man, donc les 60 km. Voilà, donc on a la possibilité de choisir le nombre de tours. Bon, je pense que 1 déjà ça fait à peu près 20 minutes, voire quand vous êtes débutant un peu plus de 20 minutes le tour, donc ce qui fait quand même pas mal. Puis il y a du beau paysage en plus, c'est bien sympathique. Voilà, sinon on peut choisir des sections si l'on désire. Moment de la journée, donc matin, midi, soirée. Moi je préfère le midi, comme ça au moins les éclaircies sont mieux. Mais après, vu qu'il y a un gros effort quand même sur tout ce qui est environnement et tout, ça vaut le coup quand même de faire des courses le matin et dans la soirée aussi, puisqu'on a des effets de lumière qui sont quand même importants et bien sympas. Ça fait toujours plaisir, mais bon. Après pour la concentration, moi je préfère mettre le midi, au moins comme ça, on est sûr. Voilà, donc le choix de la moto, on a donc deux catégories ici. D'ailleurs dans le ride, dans le TT Hills of Man 2, on retrouvera donc trois catégories. On aura aussi la catégorie nouvelle qui est la catégorie classique, puisque là il y a la super sport et super bike. Dans le 2, on aura donc trois catégories au lieu de deux. Voilà, donc je vous remontre rapidement ce que vous avez donc dans la catégorie super bike, hein, donc EBR 1190 RS, donc avec des pilotes réels hein, bien évidemment, sous licence et tout. Après c'est un jeu qui est je pense dédié plus aux fans, à ceux qui comme moi kiffent, aiment les courses de l'île de Man hein, forcément. Et aussi aux débutants ou aux gens qui découvrent. Hein. Bon c'est sûr après la prise en main ça n'a absolument rien à voir avec Ride, c'est quand même beaucoup plus spécial on va dire. C'est pas évident de s'adapter. Donc catégorie Super Sport, donc catégorie 600. Hein. Voilà, donc on a quelques motos, c'est sûr, on n'a pas énormément de choix au niveau bécane. Bon, après, c'est plus un jeu basé sur la course, hein, donc forcément, on peut pas le comparer à Ride. Voilà, donc moi, je vais prendre ma petite préférée, qui est donc la Sutter, hein, un de temps, bien évidemment. Allez, c'est parti. On va pouvoir faire nos premiers tours de roue, tranquillement. Donc ça fait fort longtemps quand même, en tout cas, que j'ai pas repris, donc je risque d'avoir un petit peu de mal. Mais on va se faire ça vraiment en mode tranquille, tranquille. Voilà. Donc, juste avant de commencer, quelques petites infos rapides sur le TT Hills of Man 2. Je vous mettrai de toute façon tout en description hein, si vous souhaitez aller voir par vous-même toutes les nouvelles infos, les nouveautés hein, qu'il va y avoir sur le 2. En tout cas, il y a des choses qui sont quand même plutôt pas mal, même si je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été sceptiques par rapport au 1 qui a été quand même jugé assez spécial. Il est bien, mais bon, il y a quand même, comme je vous dis, des points qui fait que ça peut repousser un petit peu... le joueur qui n'a pas trop envie de se prendre la tête. Bon après ça reste quand même un mix entre simu arcade mais un petit peu plus basé sur la simu
avec une adaptation au pilotage qui est quand même pas toujours évidente. C'est vrai que si on compare à Raid, le Raid est quand même beaucoup plus un plaisir au niveau pilotage que celui-ci qui est quand même un peu plus raidos. Mais bon, après les deux ont des points avantages, désavantages. Bref, donc dans le 2, on incarne un jeune pilote dont le rêve ultime est de gagner le TT. Voilà, donc on aura donc un mode carrière où il va falloir gérer sa réputation, établir des partenariats, tout ça pour gagner une monnaie du jeu, un petit peu comme le Gran Turismo, qui permettra de pouvoir débloquer des motos, des pièces, et afin de pouvoir aussi parcourir de divers réglages hein, pour pouvoir évoluer sur vos courses. Donc il y aura 3 zones, plus un mode qui est quand même bien sympathique, je suis curieux de voir ça, ça va être le mode Free Roam. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Zone libre, tout simplement. Donc une grande zone libre, on va dire un petit peu à la Forza Horizon, vous pourrez vous balader comme ça avec votre moto, le but étant d'évoluer sur tout ce qui est, on va dire, le tracé, les courbes, bien apprendre et tout, comment prendre ses virages et tout. Donc ça peut être sympathique à voir comment c'est foutu, mais je pense que j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas les amis, comptez sur moi pour vous le faire découvrir de long en large et de vous donner mon point de vue concret hein, sur ce jeu. Évidemment, j'irai pas vous donner l'envie d'acheter un jeu si forcément il y a des points trop noirs. Donc 36 pilotes réels dans le nouveau, 18 motos classées en 3 catégories, comme je vous l'expliquais. Donc classique, superbike, super sport. Hein. Dans celui-ci, on retrouve déjà superbike et super sport. En tout cas dans la nouvelle, il y aura la catégorie classique, dont les motos vintage hein, avec la Yamaha TZ750 de 1978. Donc là ça va envoyer du steak, plus niveau d'essence à gérer, température, moteur et tout. Donc il y aura quand même pas mal de possibilités dans le TT Hills of Man 2. J'ai hâte de découvrir ça le 19 mars. Allez, c'est parti. En attendant, on va essayer de se remettre bien sur celui-là, et ça commence, c'est magnifique, vous voyez. Alors, hop, juste avant de partir, je commence direct, je vais vous montrer dans les options, parce que c'est vrai qu'au début, si vous désactivez tout, moi c'est ce que j'avais fait dans Raid, puisque bon, Raid c'est quand même un jeu où l'adaptation, est quand même assez simplifiée, et que bon, on commence à s'agréer assez vite, mais dans celui-ci c'est pas du tout pareil. Voilà, donc dans les options, au niveau du gameplay, on a donc toutes les possibilités hein, afin de mieux gérer la conduite et tout. Donc l'ABS, vous voyez, vous pouvez désactiver. Donc moi, j'ai mis en élevé parce que si vous le désactivez, c'est vrai que le comportement de la bécane est quand même des fois un peu what the fuck. La moto peut partir un peu bizarrement. Je trouve qu'on a un pilotage qui est quand même assez raide. On a l'impression d'avoir une voiture des fois et pas vraiment une moto. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai fait ces petits réglages rapides, hein, histoire de faciliter un peu plus le pilotage. Donc ABS, j'ai mis en élevé, anti-patinage en élevé, anti-cabrage, je vais mettre du coup en moyen, vous voyez, hein, parce que bon, je me suis fait un magnifique soleil d'entrée de jeu. Anti-stoppie, j'ai carrément désactivé, sinon comme je freine énormément de l'avant, bon, c'est abusé, la moto, elle part carrément, on n'a vraiment pas un ressenti super au niveau du frein avant, genre on appuie un peu, hein, une légère pression, et puis hop, vous faites le salto direct, quoi. Ligne de course 100 avec, donc ça j'ai mis 100, je sais pas trop ce que c'est, afficher, désactiver la ligne de course, très bien. Méthode de freinage séparé, combiné, donc moi j'ai mis en combiné, après on peut mettre en séparé, donc séparé c'est à dire qu'en fait vous devez gérer le frein arrière et le frein avant, ou combiné, bah vous freinez tout simplement la gâchette et ça combine on va dire les deux en même temps. Transmission manuelle ou automatique, moi je l'ai mis en manuel, bon après ça dépend, hein, ça c'est au choix bien évidemment, ça c'est pour le style de pilotage, bien sûr je suis en personnalisé, après vous pouvez mettre débutant, moyen, enfin comme d'habitude quoi. Voilà, donc hop, on valide, pas oublier, et c'est parti. Alors vraiment en mode cool, hein, on va pas aller, on va pas chercher le chrono, c'est pour ça que j'ai désactivé, hein, vous voyez à l'écran. Alors moi ce que je kiffe déjà dans le jeu, enfin désactiver, le bloc qui apparaît. Enfin bref, ce que je kiffe énormément dans le jeu, c'est le travail qui a été apporté sur l'environnement, sur la map. Elle est franchement magnifique et dans le 2 c'est encore plus travaillé que dans celui-ci. Donc je pense que ça va envoyer du steak quand même. J'ai hâte de le découvrir le 19 mars. En tout cas ça c'est sûr que on essaiera de faire les choses bien et de faire une série complète sur le TT2. Alors le bruit de la machine est franchement franchement sympa. Ça change des bruits de casserole de d'habitude, des bruits électroniques un peu foireux. Je trouve que ça change quand même si c'est loin d'être parfait, mais ça reste quand même bien sympathique. Alors vous voyez, hop là. Des fois, voilà, ça c'est la chose typique. J'ai perdu en accélération.
du coup je suis déstabilisé directement. Ah, vous voyez, c'est une véritable bombe. Au niveau du freinage, c'est un peu spécial. La moto, elle a tendance vraiment à se tordre de façon étrange. Boum, vous voyez. C'est vraiment le truc, il suffit de pas grand chose. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire dans les options rapidement et dans le gameplay, style de pilotage pour résoudre le problème, anti-cabrage, bon, on va totalement désactiver. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr que la machine ne va pas partir dans tous les sens. Voilà, bon, je pense que c'était ça juste le problème. Modification, hop, c'est parti. Voilà, faut pas hésiter à activer, désactiver le temps de bien prendre le jeu en main, parce que c'est pas un jeu qui se prend en main. Moi j'ai toujours du mal dans ce jeu là, mais bon, après je veux dire, vu que j'aime le concept, je m'accroche quand même au jeu. Et ce qui est quand même bien cool, c'est de savoir qu'il y a un 2 qui arrive. Ça veut dire quand même que le développeur prend soin quand même de travailler sa version et de nous sortir quelque chose avec un résultat, je l'espère, bien meilleur. Alors vous voyez, l'environnement, ça envoie du steak, hein, franchement. Alors ils appellent ça le laser scan, hein, afin de pouvoir reproduire le tracé au mieux. Et donc des infos que j'ai pu en tirer sur toujours le même tracé qu'on pourra retrouver, hein, celui-ci, vu que bon, en 2020, 2019, 2020, il y a eu quand même du changement en quelques années, en 2 ans il me semble, 2-3 ans, entre celui-ci et le nouveau, 2 ans à peu près. Il y a eu des améliorations, on va dire, réellement, donc qu'ils ont apporté aussi visuellement dans le jeu. Donc il y a quand même un très gros soin de la map. C'est plaisant, je trouve, en tout cas, de regarder comme ça l'environnement. Je trouve qu'il est vraiment bien soigné. La différence à Ride, par exemple, où Ride graphiquement est quand même beaucoup moins beau, même si le pilotage reste quand même sympa et beaucoup plus arcade. Bon, celui-ci, je pense que c'est vraiment entre les deux, hein. C'est entre l'arcade et la simulation, puisque... Mais je trouve que la moto, des fois, ça fait un peu penser à une planche de bois, quoi. Elle est vraiment raide. C'est un jeu où tout... Enfin, on va dire où faut passer vraiment assez fort. C'est une sorte de jeu de rallye de la moto. Une sorte de projet car, qu'on va dire, version bécane, quoi. Alors, au niveau des vues, je vous ai pas montré les vues aussi. Donc, si vous appuyez sur back, hein, puisque je joue à la manette... Ah non, c'est même pas back. Pardon. C'est flèche de droite, tout simplement. Voilà, on a une vue où on peut tourner guidon, hein, où on peut tourner la tête. Alors apparemment, en parlant de vue, ils promettent que justement dans le nouveau, hein, le 2, on aurait une vue vraiment excellente, comme on n'aurait jamais vu dans un jeu jusqu'aujourd'hui de bécane. Totalement... jouable au niveau de la prise en main et accessible à n'importe quel niveau, puisque c'est vrai que dans celui-ci, après, bon, c'est pas trop mal, hein, la vue, elle est pas dégueu. Je trouve qu'elle est pas mal, mais c'est pas évident, vous voyez, hein, ça trace tellement que là, faut vraiment connaître le circuit par cœur. Mais une fois que vous connaissez bien le circuit à fond, croyez-moi, les amis, vous faites grave plaisir, hein. Pour un jeu qui, au jour d'aujourd'hui, vaut 10-15 balles à peine, hein, ce jeu doit vraiment coûter que dalle. Et le nouveau, vous pouvez le retrouver, comme je vous le dis en début d'épisode, à 25 euros et quelques. Donc ça reste un jeu à petit prix et franchement sympa si vous aimez la moto et l'environnement et l'ambiance TT. Mais je trouve que les jeux de moto sont pas nombreux et ça reste quand même un jeu à avoir, en tout cas pour ma part. Je cracherai pas dessus et justement j'encourage les développeurs à continuer sur cette voie avec... le TT, puisque bah du coup ça fait plaisir. En plus tu dis c'est un jeu français créé par des développeurs français, donc je rappelle que Ride c'est un jeu italien, hein, forcément, de Milestone. Alors ce qui est bien vraiment avec ce tracé, moi je trouve, c'est la route de campagne, tu vois, c'est
C'est le truc, c'est tu te dis, quand tu penses que les pilotes réellement là-dedans tracent comme pas possible. Le jeu vidéo peut donner, on va dire, l'immersion un petit peu du tracé, quoi, parce que bon, c'est vrai que même si vous allez en vrai, on se rend vraiment compte de la réalité de la chose, mais pas vraiment du circuit, mis à part si vous pouvez rouler dessus, mais bon, généralement, il est pas ouvert en full, il est ouvert que par portion, quoi. J'espère en tout cas un jour pouvoir y aller. Alors, en tout cas, niveau performance, donc graphisme du jeu et tout, c'est vrai que celui-ci était quand même assez mal optimisé parce que j'ai quand même une bonne config, hein, donc i5 avec 16 Go de RAM plus une 1066 Go, donc je pense que c'est ce qu'il faut quand même pour au jour d'aujourd'hui pour jouer un jeu tranquillement. Même en dessous ça passe, hein, donc je trouve que ce jeu doit être vraiment réglé pas spécialement à fond parce qu'il y a quand même pas mal de petits lags et tout. Moi je l'ai mis en qualité élevée avec quelques options de graphisme désactivées pour être tranquille. Ça tourne plutôt bien, je suis pas toujours à 60 fps, mais ça se ressent pas beaucoup. Mis à part à quelques endroits où bon, des fois on sait pas trop pourquoi, il peut y avoir des sortes de saccades, mais même sur des grosses configs j'avais remarqué encore plus grosses que ce que je possède, et il y avait souvent des soucis aussi d'optimisation révélés. Ah, vous voyez, c'est vraiment kiffant, hein, de se balader sur les petites routes comme ça. C'est donc le free, hein, qu'ils annoncent, la zone libre Free Roam. J'ai hâte de découvrir ça, hein, dans TT2. Donc en plus des courses, du coup, vous aurez donc la possibilité de vous balader avec votre moto. Donc après, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Surtout ce que je suis très curieux dans le. Ce que j'attends vraiment dans le 2, en clair, c'est un pilotage beaucoup plus souple. Et plus adapté, on va dire, quoi. Parce que bon, c'est vrai que celui-ci, c'est vraiment pas évident. Après, il y a toujours moyen, hein, évidemment. Une fois que vous aurez passé pas mal d'heures sur celui-là. Ça commence à venir, mais bon, c'est sûr, c'est quand même. Si on compare, on va dire, à Ride, c'est quand même un sacré choc, quoi. T'arrives sur celui-là, tu veux bourrer comme un fou, et finalement, tu te rends compte que c'est un petit peu plus stratégique. Par contre, les sons, c'est vraiment magnifique. Son ambiance dans ce jeu, c'est. Entre le son des motos qui sont franchement réussis, et le son environnemental qui est franchement bien, la foule, le vent et tout, c'est très appréciable, je trouve. L'appel. Alors, vous voyez, il suffit pas de grand chose. Ça qui est sympa aussi, c'est que en suivant le tracé, pardon, donc on a le dénivelé, les déformations de la chaussée qui peuvent évidemment vous faire valser la moto. Donc, ce qui vous force à vraiment connaître par cœur le tracé, il faut d'ailleurs, à mon avis, je pense, le connaître à la perfection. Pour vous dire, depuis le tout début, j'ai eu ce jeu. Je n'ai jamais réussi à battre quoi que ce soit en record. Hein. J'ai tout juste eu du mal déjà à terminer ma course. On est vraiment forcé d'apprendre le circuit à fond les ballons. Mais par contre, c'est vrai que quand ça commence à arriver, ça commence à rentrer. On va dire, là, on commence vraiment à se faire plaisir, quoi. Et là, on peut batailler avec des chronos. Donc, on a un mode multijoueur que j'ai jamais essayé. Attention. Ça envoie sévère pour un deux temps. On est sur l'ultime du deux temps, la MX 7500, la moto deux temps qui peut se la coller avec des 1000 tranquillement. Ah,
Alors vous voyez, des fois on a des effets de tunnel comme ça, c'est juste magnifique. Des fois on en est totalement scotché, on en prend tellement plein les yeux selon votre écran que ça perturbe, je trouve, quoi. Quand on sort du tunnel, paf, on se prend une bouffée de lumière en pleine face. Et du coup ça peut totalement déboussoler. Encore là je suis en vue extérieure, vue éloignée, donc voilà, mais si vous jouez en vue guidon, vous en prenez vraiment plein les yeux et ça peut être carrément déboussolant. Alors ce qui est dommage, vous voyez, c'est que je trouve que il se lève pas comme dans Ride, vous voyez, il est totalement couché dans la bulle. Du coup c'est bulle à foule, quoi. Tiddling. Malade. Attention, extrêmement dangereux ici. Alors les wheelings là-dedans, c'est quasi ingérable. J'ai essayé, c'est franchement pas évident. J'ai jamais vraiment vu de vidéo où quelqu'un ait réussi le défi de la roue arrière. Il y a peut-être moyen, mais en tout cas j'ai vraiment pas la technique. Je pense que c'est pas du tout basé non plus sur les wheelings, hein, puisque bon, vu le jeu, on utilise quand même des motos de course, donc forcément au pire on dira wheeling de puissance, quoi. Donc le wheeling de puissance, hein, c'est lors d'une accélération totale où la moto se déchaîne et la roue se lève avec la force et la puissance. Justement, le pilote il lutte pour que elle retombe au plus vite. Sinon, c'est l'envol, hein, forcément. Et vous voyez, c'est franchement sympa. On a quand même une bonne immersion au niveau de la balade, je trouve. C'est quand même top, quoi. Je veux dire, graphiquement, c'est. Parce que bon, on est toujours exigeant à vouloir les choses au mieux, mais bon, on a quand même un jeu qui franchement change de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Ça reste, comme je le dis, un jeu français, et ça fait plaisir, quoi. C'est travaillé, c'est soigné. Bon, c'est juste une question de réglage, en fait, quoi. C'est juste que bon, vous imaginez, vous créez vos. Enfin, je pense que Kiloto Racing sont pas non plus à leur premier jeu, mais faut se dire quand même qu'un jeu de moto, c'est pas des jeux comme un jeu de voiture. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus compliqué à créer un jeu de moto qu'un jeu de bagnole, quoi. C'est pour ça qu'on en boit pas des masses et qu'on boit toujours sur le marché des jeux vidéo beaucoup plus de jeux de voiture que de moto. Un jeu de moto, le budget doit être quand même, je pense, assez spécial et on va dire les conditions de développement assez tendues. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu dis que Kiloton Racing Game a quand même relevé le défi de se faire un jeu de moto spécialisé sur le TT en plus, donc chose que aucun autre jeu propose, avec un graphisme qui change totalement. Je veux dire, même tu prends un ride à côté de celui-ci, bon, c'est sûr, le ride aura un pilotage qui est quand même plus adapté, plus facile, je trouve, mais un graphisme moins beau. Ça, c'est clair que celui-là, il est carrément plus détaillé, et ça fait plaisir, quoi. Ça montre que nous, Français, on est quand même capable de faire des choses intéressantes et de faire des bons jeux bien détaillés, bien définis. Et ça, croyez-moi, les amis, pour quelqu'un comme moi qui kiffe, comme vous le savez, le détail, je ne peux qu'apprécier tout ce que je vois à l'écran, en tout cas. Ah, j'adore quand on va monter dans la vallée, vous allez voir là, bah, on y arrive justement. La vue est splendide, là. Vous voyez, hop là, j'ai eu quelques petits à-coups. Bon, des fois c'est malheureux, mais ça arrive, on a des petits lags comme ça. Bon, c'est des problèmes de frame, je sais pas trop. Bon, c'est pas méchant, mais bon, c'est vrai que des fois ça peut être pénalisant. Bon, après, hein, si ça arrive aussi chez vous, n'hésitez pas à baisser les graphismes, puisque le jeu, comme je le dis, hein, il est assez mal optimisé, donc du coup il est un peu difficile à régler parfois, ou à moins d'avoir vraiment une très grosse configuration. Mais bon, on va dire, en raison quand même de ce que je possède, ça devrait quand même tourner plutôt bien. Bon, après c'est des petits réglages que j'espère que dans le 2 seront améliorés, en tout cas. Allez, on rentre dans la vallée.
En tout cas, le 19 mars pour le TT Hulse of Man 2. Donc disponible sur PC, sur console, sur Xbox One, PS4. Et il arrivera aussi sur Switch le mois d'après, il me semble, en avril. Pour les plateformes, vous pouvez retrouver ce jeu de bécane. Que je vous conseille fortement, même si bien sûr, je pense que certaines personnes pourront me dire le doute, hein, on va dire, sur le 2, du fait que celui-ci n'a pas été peut-être spécialement aux attentes de beaucoup de joueurs de jeux de moto. Bon, malgré qu'après, il y a quelques petits soucis techniques sur ce jeu, je trouve quand même appréciable et ça fait quand même plaisir d'avoir un petit jeu comme celui-ci, surtout que je trouve que il a toujours été un prix abordable. Mis à part bon, peut-être le nouveau qui sera aux alentours d'une soixantaine d'euros, mais comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le retrouver si vous le désirez sur d'autres plateformes d'achat, hein, tel Instant Gaming. Vous voyez, pour 25 euros, vous pouvez avoir le 2, donc ce qui reste une somme très abordable. Au moins, comme ça, vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr de ne pas acheter quelque chose, un produit qui ne vous plaît pas. Bon. En tout cas, ne vous inquiétez pas, une fois la sortie du jeu, il sera chez papa et forcément on se fera toute une découverte complète du jeu, critique, les points négatifs, les points positifs. On essaiera de se faire un petit peu de mode carrière et puis bien saigner le mode zone libre à faire en long et en large, hein, pour découvrir les nouveautés. Donc je le rappelle, hein, je suis vraiment pas sur le chrono, hein, évidemment on est là pour se faire plaisir les amis et en même temps pour vous annoncer une série prochaine sur le TT Hulse of Man 2. C'est vrai que sur celui-ci j'ai pas fait grand chose, bon après je sais peut-être que sur le 2 ça sera pareil, hein, il y aura peut-être quelques épisodes, il y aura peut-être pas une série totale, hein, après parce que bon ça reste qu'un jeu de course, donc forcément on peut pas trop... exploiter le filon comme dans le Rail de 2 où on a vraiment un large choix de motos, plus de 200 motos. Donc dans celui-ci, on a une quinzaine de bécanes et une vingtaine dans le nouveau, sans compter les DLC, je suppose. Donc, mais bon, après dans ce jeu, ils ont plus voulu travailler la qualité que la quantité, je pense. Tandis que dans Ride, vous voyez. C'est un mélange des deux, en fait, dans Ride, on a de la quantité, de la qualité, mais pas une qualité non plus totale. Alors que dans ce jeu, je dirais plus, tout est misé, on va dire, sur la qualité, quoi. La qualité de la map, de l'environnement, du détail de la moto, du pilotage. Bon, bien sûr, dans celui-ci, il y a eu les défauts, mais on va dire que c'est quand même un début pour KT Racing. Donc, je pense que dans le 2, tout cela sera amélioré, adapté aux joueurs tout public. Afin que le jeu puisse être beaucoup plus agréable en tout cas que le 1. En tout cas ça c'est clair, vous aurez mon ressenti et comme j'ai mon exigence sur les jeux de moto, vous pouvez, comme je vous l'ai dit les amis, compter sur moi là-dessus. En tout cas s'il y a des curieux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire les amis s'il vous plaît, ça me permettra de savoir si vous appréciez le changement ou la retrouvaille, hein, sur ce jeu de moto, le TT. Et puis, n'hésitez pas à les soutenir par rapport au développement de ce jeu, puisque ça fait quand même plaisir, quoi. Tu dis un jeu français, wow, c'était sûr. Dommage. Voilà, on arrive sur la fin du tracé. Alors vous voyez, je me suis fait plaisir, hein, tranquillement, là on est à plus de 20 minutes, bon forcément. Hein. Mais comme je dis, bon, je suis loin d'être un boss, hein, sur ce jeu. Moi j'ai toujours été au niveau amateur de chez amateur, hein, voire limite débutant. Il est difficile de faire un tour complet à fond les ballons sans se planter, quoi. Je veux dire, surtout que si vous vous plantez, bah tout est niqué, quoi, finalement. Le but étant de faire une course le plus rapidement possible et sans une seule chute, quoi. Sinon, c'est la fin
Bon, je me suis tâté hein, sur quelques défis, mais bon, c'est vrai que vous faites une fois, deux fois, trois fois, et puis bon, après, mieux vaut s'arrêter, parce que sinon, la nervosité s'empare de vous et vous perdez votre sang-froid, quoi. Et après, on arrive à plus rien du tout, quoi. Et voilà, donc là, on arrive sur une zone extrêmement serrée. J'ai toujours galéré dans cette zone. Vous allez voir comment c'est bien hardcore. Et encore, c'est pas celle-là, non, c'est un peu plus loin. Il y a carrément un rond-point, vous allez voir, bah, c'est là, hop. Non, c'est pas, un peu plus loin. Alors quand t'arrives là à fond, mon pote, c'est un truc de fou. La moto, elle se tord dans tous les sens, tu sais même plus où faut tourner, à gauche, à droite. C'est déboussolant. Mais en tout cas, quel plaisir ça a été. Alors voilà, hop. Donc là, vous faites un tour de rond-point, mais c'est pas ça. En fait, c'était direct, vous voyez, une épingle. Vous voyez, je me rappelais même plus, en fait, depuis le temps, carrément. Les boules. Donc ici, c'est quand même très serré. Là, c'est vraiment le passage technique. Merde. Ok. On aura fait en 21. Vous voyez, il y a le fantôme, hein, si jamais on désire se remettre ça. Hop. Alors, on va regarder si on a donc le mode, un mode ralenti. Alors, je sais même plus si dans les options, non. Ah non, finalement, on n'a même pas de mode ralenti parce que, bah, du coup, vu que là, on est en contre-la-montre, malheureusement, on ne pourra pas profiter du mode ralenti. Mais bon, on est déjà quand même à plus de 20 minutes d'épisode, donc je pense que le mieux, c'est de s'arrêter là quand même, histoire de pas que ce soit non plus des épisodes trop longs. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié ces infos et cet épisode sur ce jeu, TT Hills of Man 2. N'oubliez pas que... Enfin, le 1, pardon. Oula, je suis déjà trop pressé que le 2 arrive. Le 2 sera présent à partir du 19 mars. Hein, et comme je vous l'ai dit, je vous ferai un gameplay complet et un suivi sur le 2. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, me donner vos avis, vos impressions sur ce jeu. Ça fera extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Bye bye, salut à tous et à tous.